L'Assemblée nationale a donc voté, ce jeudi 23 juillet, la version définitive du troisième projet de loi de finances rectificative qui sera donc promulgué dans les tout prochains jours. Ce texte a pour but de parachever le soutien financier aux Français et aux entreprises face à la crise sanitaire que nous traversons. Il comprend notamment un plan d'urgence d'un montant de 240 millions d'euros qui est spécifiquement dédié aux Français à l'étranger. À cette occasion, et comme je m'y étais engagée, avec plusieurs de mes collègues députés des Français à l'étranger, nous avons déposé des amendements pour renforcer ce plan de soutien et qu'il puisse concentrer ses efforts là où il est le plus nécessaire et donc le plus efficace. Parmi mes propositions, un premier amendement prévoyait l'instauration d'un fonds de soutien spécifique aux acteurs de la présence économique française à l'étranger. Étaient notamment concernées les chambres de commerce, dont plus de la moitié devrait être déficitaire pour cette année 2020, et quelques-unes pourraient même disparaître. Un second amendement prévoyait de revaloriser les subventions aux alliances françaises, car certaines d'entre elles pourraient fermer à la suite de cette crise. Je pense notamment à la toute nouvelle alliance française de Siem Reap au Cambodge. Un troisième amendement proposait d'augmenter de 5 millions d'euros l'aide sociale accordée aux Français à l'étranger. Le plan de soutien a prévu, lui, 50 millions d'euros. Ainsi, ajouter 50 millions d'euros aux 15 millions d'euros initiales est un effort considérable. Encore faut-il que les fonds soient correctement et intégralement utilisés. Un échange avec le ministère il y a quelques jours me commande de rester sur mes gardes sur ce sujet-là. Et je le serai. Un quatrième et dernier amendement proposait la mise en place immédiate d'un centre d'appel téléphonique consulaire. C'était une des propositions de mon rapport sur les Français à l'étranger remis au Premier ministre il y a 2 ans. Je sais que cette proposition a été étudiée, a été confirmée et devrait être lancée à l'essai dans quelques pays. Je propose donc que ce soit lancé immédiatement, sans plus attendre. L'essai a eu lieu grandeur nature pendant la crise du coronavirus. Comme vous le savez, chaque député est membre d'une commission thématique au sein de l'Assemblée nationale. Et je suis moi-même membre de la Commission des Affaires étrangères. Ce projet de loi de finances rectificative est porté, lui, par la Commission des Finances, qui est donc la première à l'examiner. N'en étant pas membre de cette commission, j'ai pu inscrire mes amendements, mais je ne peux pas les voter. Je ne peux les voter qu'en séance. L'examen en commission s'est révélé particulièrement décevant. D'abord, le ministre n'était pas là. Et la partie du texte dans laquelle se trouvaient mes amendements a été totalement évacuée à la demande du président de la commission, M. Éric Woerth. J'ai donc redéposé ces amendements, en séance publique, donc en hémicycle. Et là aussi, le débat a été expédié au motif que les débats avaient pris du retard et qu'il y avait trop d'amendements déposés sur ce texte. Mais il y a une autre source de frustration pour moi. C'est un amendement déposé par le gouvernement à la toute dernière minute, ce qu'il a le droit de faire, contrairement au député qui, lui, doit déposer ses amendements plusieurs jours à l'avance et ne peut plus revenir dessus par la suite. Cet amendement permet à l'Agence française pour le développement, l'AFD, au travers de sa filiale privée Proparco, d'apporter un soutien d'environ 160 millions d'euros à des entreprises basées à l'étranger. Cet amendement a pour objet, notamment, d'aider des entrepreneurs français à l'étranger. Mais il est circonscrit au seul périmètre du continent africain. Cette limitation géographique étant injuste et sans fondement, j'ai tenté de déposer des amendements pour corriger l'amendement et permettre que cette aide soit étendue à tous les pays où l'AFD est présente. Tous, sans exception, ont été censurés, c'est-à-dire retirés par les services de l'Assemblée, donc avant même d'arriver au débat en séance. Cet épisode met en lumière certains travers de notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, le problème de l'obstruction parlementaire pratiquée de manière systématique par les oppositions. Cette obstruction consiste à déposer un maximum d'amendements, parfois totalement inutiles ou inappropriés. L'objectif est double. D'une part, gonfler les statistiques d'amendements du député qui les dépose, et d'autre part, faire de l'ombre aux mesures voulues par le gouvernement. Le deuxième travers, c'est le pouvoir bien trop limité du député face au gouvernement. Même au sein de la majorité, les députés ont un rôle de contre-pouvoir, mais qu'ils peinent à exercer. Enfin, troisième travers, le manque de temps, qui fait que des sujets comme celui-ci, qui défendent nos concitoyens, ne trouvent pas leur place dans le débat démocratique. Au final, j'attends de notre gouvernement qu'il soit plus à l'écoute des parlementaires, qui sont aussi des élus de terrain, qui connaissent bien les problèmes de nos concitoyens. J'attends aussi du gouvernement de Jean Castex qu'il réponde à l'impératif de rompre avec l'impuissance du politique.
Une première étape consisterait à mieux contrôler l'action de l'administration et à lui donner des directives claires pour plus d'efficacité et plus de proximité. Enfin et surtout, devrais-je dire, j'attends que les Français de l'étranger soient pleinement pris en compte dans le cadre du nouveau chemin tracé par le gouvernement.